Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. On se retrouve aujourd'hui début de semaine pour une petite séance de sport où on travaillera essentiellement les membres inférieurs, donc les jambes. Donc juste avant de faire cette séance, n'hésitez pas à faire notre petit échauffement musculaire et articulaire que maintenant je suis sûre vous connaissez par cœur. Et ensuite on est parti pour la séance. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer ici. Pied largeur du bassin, les genoux semi-fléchis. On détend ici les épaules basses. Et on va venir ici, monter genou gauche, monter genou droit. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On part en talon fesses. Et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient ici, pied largeur du bassin, on est semi-fléchi. On va venir tout simplement faire une fente à droite, fléchir et on revient. D'accord? Et c'est parti à droite. Et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire l'autre côté. Pensez toujours à rester bien droit, ici on serre les abdominaux, on serre le ventre. Et c'est parti pour le côté gauche. Et 1, 2, on fléchit, on revient. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire la même chose maintenant devant. Donc on va venir jambe fléchie devant. On vient fléchir et on revient sur la jambe arrière. D'accord? Et c'est parti. Et 1. 2. Toujours on serre les abdominaux. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 et 10. On va faire l'autre côté. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient. On va venir cette fois-ci en arrière. Donc on vient mettre la jambe en arrière et on vient ici fléchir. On revient. Et 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire l'autre côté. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. C'est parti pour les deuxièmes séries d'exercices.
Cette fois-ci, on vient ici. On est semi-fléchi, les bras relâchés. Ici, les abdominaux serrés. Et on vient tout simplement pointer sur le côté, on revient. La jambe pointe. La jambe qui ne bouge pas, elle reste semi-fléchie. On ne vient pas verrouiller le genou, sinon le quadriceps ne travaille pas. Donc on vient ici fléchi. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose, on reste fléchi. On fléchit la jambe droite et on est parti jambe gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose maintenant devant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait l'autre jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste semi-fléchi et on part derrière. Et 1, 2, 3. Toujours en rentrant le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernière jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout comme l'autre série d'exercices, on va l'effectuer 3 fois. 3 fois où on enchaîne, 30 secondes de récupération, on réenchaîne tous les exercices, 30 secondes de récupération et on est reparti pour la dernière série. Ok? Ensuite, après que vous ayez effectué cet exercice-là, on vient ici pied largeur du bassin et on va venir ici en position squat. Et on vient pousser les fesses vers l'arrière. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va combiner maintenant les squats et les montées de genoux. Ok? Donc on est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernier mouvement de la série, on va venir ici. Toujours on est semi-fléchi. On vient vers le haut et on descend en position squat en touchant le sol. On se redresse, on vient monter les bras, mais toujours les genoux semi-fléchis. Je ne veux pas avoir ici les genoux verrouillés, ok? Et c'est parti. Et 1, 2, toujours on rentre le ventre. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Alors, à nouveau, ces mouvements, les mouvements de squat, squat plus montée de genoux et squat ici en venant toucher le plafond et le sol, sont à enchaîner à la suite, puis effectuer 30 secondes de récupération. C'est ce qui va nous faire monter en fait en intensité. Donc là, ici, vous avez 3 circuits d'exercice. Le premier avec les fentes côté, devant, derrière. Le deuxième avec juste les pointés de pied à droite, à gauche, devant, devant, derrière, derrière. Et ensuite les positions de squat. D'accord? Donc comme je vous l'ai déjà dit, on effectue ces circuits 3 fois de suite. C'est un petit récap de la séance juste après. Et je vous laisse suivre les vidéos de mes collègues toute la semaine pour rester actif malgré le confinement, et vous n'avez pas de raison parce que tous les jours on a une vidéo qui sort. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Décapulse pour pouvoir suivre toutes nos aventures. Allez, on se retrouve bientôt, à la semaine prochaine, au revoir.